RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Comment s'est déroulée la rentrée scolaire? Et bien pour répondre à cette question, vous recevez le vice-recteur. Oui, Didier Valatige, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation une semaine finalement après cette rentrée scolaire. On va évidemment en dresser le bilan. Peut-être d'abord un bilan chiffré. Est-ce que les effectifs sont conformes à ceux que vous attendiez? Est-ce que tous les élèves attendus ont une classe? Est-ce que toutes les classes ont un professeur? Alors oui, exactement. Et donc s'agissant des effectifs, d'une année, d'une rentrée à l'autre, on a une quasi-stabilité des effectifs, à vrai dire. Quand bien même, on connaît bien quand même l'évolution tendancielle de la démographie scolaire. Mais une stabilité des effectifs est observée ici à cette rentrée-ci. Tous les élèves sont dans des classes. Dans chaque classe, il y a un professeur. Bien sûr, il y a des petits ajustements, mais une rentrée, ça ne dure pas que le lundi à 8 heures. Et donc ça va durer plusieurs jours. On va procéder à quelques ajustements qui demeurent à faire. Donc une rentrée sereine pour l'instant? Je crois, oui, tout à fait. D'ailleurs, je me suis rendu dans des établissements, on va en parler, oui. Comme vous le savez, la semaine dernière. Et puis, de toute façon, nous avons de nombreux échanges, au moins téléphoniques, avec nos chefs. Et les informations qui nous remontent sont satisfaisantes. Il y a eu quelques endroits où la rentrée a été décalée pour des raisons diverses, dans certains collèges et lycées. Aujourd'hui, tout le monde a retrouvé le chemin des cours. Ces décalages sont des décalages, on va dire, techniques? Ce sont des décalages qui, généralement, en fonctionnement normal, permettent aux établissements de mieux accueillir les flux d'élèves importants, le cas échéant d'ailleurs avec leurs parents, puisque vous savez que, par exemple, j'étais au lycée Escoffier lundi dernier, il y avait une entrée décalée, notamment parce qu'on associait aussi les parents d'élèves à cette rentrée, et que, notamment en organisant un petit déjeuner à l'intention des parents, je trouve que c'est une manière de les mettre en valeur et de diffuser auprès d'eux déjà des messages en début d'année. Donc c'est bien. Donc effectivement, il y a des petits décalages qui sont imaginés pour assurer une meilleure rentrée. Bon, et peut-être vous pensez aussi aux établissements de l'ASE qui, eux, ont bénéficié, c'est vrai, d'un décalage peut-être plus important. Bon, tout simplement parce que, comme vous le savez, et vos auditeurs aussi, il y a eu de gros efforts qui ont été faits par le gouvernement et par le vice-rectorat pour, je dirais, préserver le réseau de l'ASE. Désormais, bon, il y a les établissements avec lesquels on négocie directement, non ? Et qui ont besoin, évidemment, de se reconstruire. Donc nous les aidons, nous les accompagnons. Nous avons accepté, effectivement, de différer la rentrée de quelques jours supplémentaires. Vous avez évoqué la présence des parents d'élèves que vous aviez accueillis au lycée Escoffier. On se plaint régulièrement dans l'enseignement de voir les parents un peu... pas partie prenante suffisamment pour accompagner leurs élèves dans certains cas, un peu en retrait de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Vous les invitez vraiment à être très très présents auprès de leurs enfants? Absolument. Je pense que le slogan de l'école calédonienne « Faisons-la ensemble », c'est exactement, donne une bonne indication sur la façon dont il faut travailler avec les parents. C'est avec les parents que l'on construit l'école. J'en ai parlé lorsque j'évoquais ce petit déjeuner de rentrée, mais sur un autre sujet tout à fait essentiel, qui est celui du harcèlement, dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois. Il se trouve que le combat contre le harcèlement scolaire continue évidemment en 2024, que tous les collèges publics seront dotés d'un protocole de lutte contre le harcèlement à la fin de l'année. Et ces protocoles sont des documents qui sont rédigés à la suite d'une session de formation de 2 jours, à laquelle les parents sont invités. C'est bien une démonstration de l'importance qu'on accorde aux parents et que, pour le coup, il y a sans aucun doute, c'est avec les parents que l'on fait l'école. Alors parlons de ces priorités que vous souhaitez mettre en œuvre tout au long de cette année. Alors le harcèlement en est une, la lutte contre le harcèlement en est une. L'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte évidemment qu'il y ait de moins en moins de harcèlement, mais que les cas soient aussi signalés pour éviter que les enfants se retrouvent dans des situations difficiles, voire leurs parents. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que c'est armer en quelque sorte les équipes pédagogiques, les outiller pour qu'ils puissent anticiper, prévenir les situations de harcèlement et lorsqu'elles se présentent, arriver à les traiter correctement. Alors les cas de harcèlement, évidemment, ne sont pas nombreux, mais un seul cas, c'est un cas en trop. Et donc il faut pouvoir agir à temps et surtout, il faut que l'école soit bien un lieu d'épanouissement, on va dire, individuel, intellectuel, professionnel aussi pour les adultes. Et donc il faut, et c'est l'une de nos priorités, un climat scolaire qui rende bien possible les apprentissages scolaires. Alors parmi les autres priorités, il y a les consolidations des acquis fondamentaux, notamment en mathématiques. Ça concerne vraiment tous les niveaux. J'allais dire, vous êtes moins concerné, vous, mais c'est de la maternelle au lycée qu'il faut travailler ces
la manière d'acquérir ces connaissances ? Alors, toutes les études semblent montrer qu'évidemment, il y a un déficit de culture mathématique. Bon, pour ce qui me concerne, notamment à partir de la sixième, on procède tous les ans, comme vous le savez, à des évaluations nationales dont les résultats sont utiles parce qu'ils sont exploités pédagogiquement par les équipes et que ça nous permet de faire une régulation du système. Ce sont des évaluations, pardon, qui ont lieu en début d'année, hein. Elles ont lieu en début d'année. Donc les évaluations 2024 vont bientôt se tenir ici à partir du 27, je crois, jusque le 15 mars exactement. Et donc là, pour l'heure, on se base sur le résultat des évaluations de l'année dernière. Mais je pense que les nouvelles vont continuer de montrer qu'il y a une proportion trop importante d'élèves, un peu moins des deux tiers, dont le niveau en mathématiques est préoccupant. Et donc, il faut particulièrement s'en occuper et inviter les établissements, ce qu'ils font, à mettre en place des stratégies pédagogiques pour lutter contre ces faiblesses en mathématiques. Ça se passe dès le primaire, l'acquisition des mathématiques. C'est là qu'il faut faire aussi un gros effort. Vous travaillez avec les équipes de la Nouvelle-Calédonie pour ça ? Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs une autre priorité, c'est qu'on voudrait absolument renforcer les liens entre le premier degré et le second degré, notamment pour consolider cette culture mathématique à l'école. En outre, pour faciliter la transition du CM1, CM2 vers la 6e, parce que c'est quand même un changement d'univers pour les élèves. Mais par exemple, quand je me suis rendu la semaine dernière dans un des collèges, celui de Rivière-Salée, qu'on a vu, on a notamment visité le laboratoire de mathématiques. Le laboratoire de mathématiques, c'est un espace qui permet d'accueillir des élèves, d'accueillir aussi des maîtres du second degré et du premier degré pour des formations, des échanges, des partages d'expériences, des partages d'informations, et d'imaginer de faire des mathématiques un peu autrement, notamment sur un mode ludique. Il y a des ressources qui sont dédiées à cet effet. Et donc, ça montre qu'une des priorités, c'est bien le renforcement des liens avec le premier degré, puisqu'on pourrait dire que quand même, tout commence effectivement dès le plus jeune âge, quoi. Alors, parmi les préoccupations, et ce n'est pas la première année en Nouvelle-Calédonie, monsieur le vice-recteur, il y a les voies professionnelles hein, qui sont très demandées, plus peut-être demandées qu'en métropole. Et on s'aperçoit que c'est des branches dont les résultats ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes espérées au moment des résultats des examens. Alors là aussi, il y a un travail de fond qui est engagé. Comment vous voulez changer les choses ? Il y a un travail de fond qui est engagé, à vrai dire, depuis plusieurs années, hein, puisque les ministères successifs accordent une importance croissante à la voie professionnelle. Donc, ici, effectivement, sur le territoire calédonien, la voie professionnelle est une voie, on va dire, d'excellence, susceptible d'être empruntée par de nombreux élèves. Et il est vrai que le taux de réussite au bac pro est un peu en deçà de l'attente, on va dire, sociale et de nos espérances quand on regarde l'évolution tendancielle depuis 5 ans. Donc pour moi, ça, c'est une préoccupation. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que de nombreux élèves sont inscrits en février en bac pro et on ne les retrouve pas en fin d'année au moment de la passation des épreuves. Donc il faut développer la persévérance scolaire, je dirais. Ce n'est pas du décrochage, hein, c'est un terme un peu différent. C'est un terme un peu différent qui traduit l'idée qu'il faut entretenir l'appétence, on va dire, des élèves pour l'école jusqu'aux dernières heures qui précèdent les épreuves du baccalauréat, puisque, comme vous le savez, on s'est rendu compte que jusqu'au dernier jour, avant la passation des épreuves, il y a des élèves qui ne se présentent pas aux épreuves, et certaines d'entre elles, au bac professionnel, sont éliminatoires. Je suis certain, et c'est dans ce sens-là qu'on a invité nos équipes pédagogiques à travailler, certain de pouvoir augmenter de quelques points de pourcentage le taux de réussite au bac pro, en augmentant la persévérance scolaire, notamment jusqu'au bout de l'année scolaire. Et ce sont des voies, en plus, où ces diplômes sont absolument essentiels, parce que la plupart du temps, c'est vraiment rattaché à un métier. Voilà, exactement. Ça garantit un métier. Ça garantit la possibilité de faire des études supérieures pour la frange d'entre eux qui a le mieux réussi, notamment en BTS. Et ensuite, c'est évidemment un métier, l'insertion professionnelle. Alors, trois petites questions pour terminer, Didier Vindatich. D'abord, le baccalauréat, on sait que la nouvelle formule a été mise en place en 2023, avec majoritairement un contrôle continu. Il va y avoir une petite adaptation là, de calendrier par rapport aux épreuves de spécialité. Hein, voilà, année. L'adaptation majeure qui est bien connue de tous les acteurs là maintenant, c'est que les épreuves de spécialité sont renvoyées en fin d'année, alors que cette année, elles se déroulaient au milieu de l'année. Puisque c'était synchrone avec des opérations conduites dans le cadre de Parcoursup.
C'est reporté à la fin de l'année, c'est clair, c'est lisible pour tout le monde. L'autre question, c'est Yaté, qui est un cas particulier avec le drame qu'on a connu ce week-end. Le collège est resté fermé une journée supplémentaire, il rouvre ce matin. Comment vous suivez la situation ? Alors évidemment, nous étions informés dès le dimanche, dès la survenue de ces événements tout à fait dramatiques. Donc évidemment, les conditions n'étaient pas du tout réunies pour que les élèves se rendent normalement dans les écoles et au collège de Yaté hier lundi. Donc en revanche, ce matin, il y a, je dirais, des conditions meilleures qui permettent d'envisager un accueil spécifique, puisqu'on envoie évidemment une cellule psychologique, comme il se fait dans ce genre de circonstances, pour écouter les élèves qui ont, certains d'entre eux, été impactés par ce drame, et aussi, évidemment, les équipes de professeurs. Une toute dernière question, monsieur le vice-recteur. On le dit depuis plusieurs années, le climat politique, institutionnel, les incertitudes pèsent un petit peu sur la vie de tout le monde. Les années de référendum, il y avait de l'inquiétude par rapport au déroulement de l'année scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt rassuré par rapport à ces choses-là ? Est-ce que on parlait de sérénité en début d'interview. Est-ce que vous la retrouvez ou est-ce qu'il peut y avoir parfois des petites inquiétudes ? Écoutez, je vous remercie de finir, je dirais, sur cette idée, parce que moi, je crois que l'école est plutôt dans l'environnement actuel de cette année 2024, assez singulière, un élément de stabilité, et que mon action et celle de mes collaborateurs et de toutes mes équipes dans les établissements, c'est de préserver l'école qui n'est pas soumise aux aléas qui frappent les autres secteurs d'activité. On parle souvent de sanctuarisation de l'école, c'est vrai aussi dans ce cas-là ? Exactement. Didier Vanatich, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin pour faire un point sur cette rentrée scolaire, alors que vous allez vite préparer déjà la rentrée 2025. Voilà, hein. Exactement. Il ne faut pas croire qu'une rentrée, ça se prépare la semaine avant, en rentrant de vacances. Et donc, il y a un temps d'établissement des constats de rentrée. Ça va représenter à peu près un mois. Et après le mois écoulé, on commence à préparer la rentrée suivante. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.